Ah bah t'as dit que c'est toi qui commençais. Ouais, c'est toi qui commences. C'est moi qui commence. Tu me demandes. Ah oui, c'est moi qui commence. Alors comment nous est venue l'idée de partir au Groenland? Ça a commencé par un coup de fil. Si on s'est intéressé au Groenland, c'est surtout, à mon sens, parce que c'est un concentré des enjeux actuels auxquels notre monde est confronté, et en premier lieu, bien sûr, le changement climatique, parce qu'ils sont en première ligne du réchauffement climatique, avec la fonte de la calotte glaciaire. L'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite et le milieu de vie évolue très rapidement. Et puis le Groenland, d'une manière générale, est à un moment de reconfiguration de ses modes d'existence. Les Inuits sont en train de décider quel monde ils veulent pour demain, quelle société ils veulent construire. Et c'est précisément à ça qu'on s'est intéressé en y allant. Tout a commencé un soir de juillet 2019. Je t'ai passé un coup de fil et je t'ai demandé quand est-ce qu'on repart. On a beaucoup lu et notamment on est tombé sur cette petite pépite qui est un roman écrit en 1931 par un auteur groenlandais qui s'appelait Akunung. Un roman d'anticipation dans lequel l'auteur imaginait son pays comme un pays de cocagne en 2021. Il se projetait en 2021. Et un pays où tout allait bien, où l'éducation, l'emploi, voilà, tout était merveilleux, le pays dont tout le monde rêve, et un pays où les Groenlandais avaient leur destin entre les mains. C'est pas pour rien que cet auteur avait choisi de parler de 2021, c'est le tricentenaire de la colonisation danoise. Donc pour nous, ça faisait énormément sens de se rendre au Groenland 300 ans après l'arrivée du premier colon danois. Le livre photo met en parallèle cette vision d'Akulung et le pays tel que moi j'ai pu l'observer, aussi à la faveur de ce que les Groenlandais ont pu nous raconter de leur pays sur place, et avec toutes les difficultés qu'ils peuvent vivre au quotidien, autant question de la jeunesse, la dépression chez les jeunes, les problèmes d'emploi, les problèmes aussi de sentiment d'être pour les Inuits une société de seconde classe par rapport à la classe dominante danoise. Voilà, toutes ces problématiques-là, j'ai essayé de les raconter en photo, donc sur le temps présent en 2021. Ma partie à moi, c'était le roman, donc un roman d'anticipation dans la continuité du livre de Haugolun. Imaginer l'avenir, même les avenirs du Groenland, mais non pas l'imaginer moi, parce que je ne suis personne pour imaginer l'avenir de cette île lointaine, mais en demandant directement aux Groenlandais eux-mêmes, aux Inuits, ce qu'ils pensent de leur avenir, comment ils le désirent, comment ils le craignent, comment ils l'envisagent. Et donc on est allé à la rencontre d'un très grand panel de personnes au Groenland. On a interrogé environ une centaine de personnes sur leur conception de l'avenir, entre autres, mais aussi sur leur vie actuelle. Et c'est cette matière brute que j'ai utilisée pour composer mon roman d'anticipation, dans lequel plusieurs avenirs sont décrits, parce que forcément, le Groenland décrit par les Groenlandais dans 30 ans n'est pas unique, mais il est pluriel. Et donc c'est cette pluralité d'avenir qu'on a voulu explorer. Et puis j'avais aussi cette phrase en tête qui me suivait depuis quelques années, cette phrase de Michelet qui dit « Chaque époque rêve la suivante ». Donc c'est ça qu'on a voulu faire, c'est aller interroger le rêve des Groenlandais.